Ouais, du bonheur. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Okami. Comme promis, on se retrouve aujourd'hui après un petit combat rapide que j'ai dû faire dans le silence parce que j'avais oublié de lancer mon truc d'enregistrement. Vaut mieux s'en rendre compte tard que jamais. Aujourd'hui, on va continuer de restaurer la vallée de Shinshu, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Et peut-être que l'aventure nous dira quoi faire ensuite, parce que je sais pas vraiment trop ce que vers où je dois aller. On verra. Le monde est grand et vaste, et il n'y a plus qu'à le découvrir. Oh, qu'est-ce que c'est? Je sais pas, je le saurai sans doute jamais. Alors, four du potier sans nom. C'est un four pour cuire les poteries, quelqu'un devait sûrement travailler ici. Avec un four pareil, il devait faire des poteries magnifiques. Intéressant. J'ai enfin sorti mes quatre épisodes plutôt que j'avais tourné d'affilée, donc ça y est, j'ai enfin pu avoir vos retours, vos commentaires, vos avis. Je suis content parce que cette série a l'air de plaire à pas mal de monde, donc merci à tous de suivre jusqu'ici. Et j'ai eu vos conseils aussi, c'est-à-dire quelques quêtes que j'ai ratées au village, et puis de découper les ennemis avant qu'ils meurent, ça on me l'a beaucoup dit pour avoir les crocs de démons. Donc je vais faire ça à partir de maintenant. Merci de vos conseils, ça me sera sûrement utile. Je sais pas encore trop comment, mais je le saurai. Aïe aïe aïe! Quelle est cette mauvaise farce, moi Idaten, le bolide coursier? Je ne trébuche jamais, je peux même plus bouger, diablerie! Idaten, le bolide coursier. Pas de temps à perdre, les gens attendent leur courrier. Ces démons ont posé des pièges un peu partout. J'aurais dû acheter une amulette du voyageur. Eh, hey, l'ami Toutou, c'est un amulette du voyageur que tu as là. Vous lui avez offert un amulette du voyageur. Oh, je me sens si léger, comme une plume. Merci mon bon Toutou, tu me sauves la vie. Bon, il faut que j'y retourne. Le courrier n'attend pas. Ok, je suis content d'avoir eu ce truc sur moi, parce que sinon je lui aurais jamais... What? Je lui aurais sans doute jamais donné, ne sachant pas où le trouver. Ok, il me rappelle un peu le coursier de Twilight Princess. Oh, yeah. Qu'est-ce que c'est que ça? Un chien, un renard, un chat? Ça alors, regarde le visage de cette statue. Elle a la même expression débile que toi. Ok. Faut peut-être que je fasse quelque chose avec. C'est ça que je voulais faire. Mais non, je peux pas faire fleurir les statues. Même le pouvoir des dieux a une limite. Y a un truc là-bas. Je vais voir ce que c'est. Je trouverai peut-être quelque chose en chemin à rétablir. C'est marqué quoi? Forêt Agatha. D'accord, on va peut-être aller là-bas. Allez, zou! À la vitesse de l'éclair. Il faut que je trouve les monstres à tuer pour le prêtre, mais ça sera fait la nuit plutôt, si j'ai bien compris sa quête. Là, il faut que je pose une bombe, j'étais déjà venu. Examine, arrête de sauter. Je commence à douter que le rond ce soit ce bouton. Ok, vers la forêt d'Agatha. Cette rivière conduit à la forêt d'Agatha. C'est l'endroit le plus fertile de la région. Avant, les villageois utilisaient le bateau pour aller à la forêt. Ok, et est-ce que c'est là qu'il faut que j'aille? Je vais regarder un petit peu, apparemment j'ai un moyen de savoir ce qu'il faut faire. La position actuelle, les informations utiles... Mémoire, voilà, ça doit être ça. Un journal, la résurrection de l'arbre d'Oré, c'est l'arbre de Sakuya, elle se sent vrai. On pourra lui rendre visite plus tard. Peut-être que j'aille voir Sakuya du coup. Pour le moment, on a d'autres choses à faire et si on allait voir du côté des plaines de Shinshu. Merci Ishun. Ouais, il me reste quelques monstres à tuer et ça, je sais pas du tout ce que c'est. Ok. J'aurais peut-être dû lire les parchemins hors caméra pour savoir un petit peu. Tant pis. Alors, confirmer la position actuelle. Ouais, c'est bon, je sais très bien où je suis. Ok. Et je vais peut-être... Non, j'ai pas assez de points de bonheur. Moi, je vais augmenter le pinceau. Voilà. Yeah! Comme ça, je peux encore plus utiliser mon super pinceau de la joie et de l'infini, de la puissance des dieux. Allez-y. Je crois que j'ai pas sauté au bon endroit. C'est pas grave. Je vais aller voir ce qu'il y a là-bas. J'étais passé vite fait la fois dernière et...
J'avais dû faire demi-tour parce que l'épisode touchait à sa fin. Alors. Et apparemment c'était la cave de la lune où il y a normalement Orochi. On va voir. Si on peut tuer Yamato no Orochi tout de suite, ça nous fera gagner plusieurs heures. Je me prépare à esquiver quelque chose. Ouais, j'ai pas l'impression que je puisse passer. Aïe, qu'est-ce que... Il y a comme une barrière magique dressée devant l'entrée. Même moi, je n'ai jamais ressenti un tel pouvoir. Il vaut mieux rester à l'écart si on tient à notre fourrure. Ouais, une façon habile de nous dire que... on n'a rien à faire ici pour le moment. D'accord. D'accord. Du coup... je vais peut-être aller restaurer... ouais, non, je vois pas la carte pour l'instant, il faut que je ressorte d'ici. Apparemment, il y a un arbre que j'ai pas encore restauré parce qu'il a pas le même symbole que les autres. Donc, ouais, je vais aller là-bas. Et en espérant que ce soit ça qu'il faut faire. Parce que j'ai bien l'impression qu'il me montre la plaine, enfin la vallée d'Himiko, mais... regardez, je vais vous montrer avec la souris. Celui-là, il a pas de petite croix, alors que ces deux-là, ils ont une petite croix. Après, je peux aller voir le petit cercle ici aussi. Ouais, je vais aller voir le petit cercle avant. Ça sera fait. J'ai pas laissé la souris dans l'écran, non c'est bon. Attendez. Faut que j'aille où? Voilà, ici. C'est bien ici, c'est ici. Allez-y. On repart en rush mode. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau? What? Un papy poisson? Un pas poisson? Faut que je tue ça, sérieusement? C'est assez pitoyable pour moi. Hop, je vais me faire le premier croc de démon. Eh, mais ça marche! Merci de vos infos. Vous êtes d'une aide précieuse. Ah oui, c'est vrai, j'ai l'esquive maintenant. Ah ah! Et ouais, moi aussi je peux voler à peu près. Je vais en profiter pour tuer l'autre. Ah, à chaque fois je me trompe de bouton pour le pinceau. Bah merci beaucoup pour cette info parce que je sens que ça va me faire gagner pas mal de temps. Je pense que je peux pas le découper. Ah si, je peux. Il est sur ma tête. Il s'est suicidé sur ma tête. Oh, le sale petit. D'accord. Est-ce que c'est un ennemi permanent ou est-ce que c'était juste un combat comme ça? On va voir avec ce mec. Hey, tu veux me combattre? Après, c'est peut-être des ennemis qu'il y a souvent au bord de l'eau. C'est super pratique. Je vais pouvoir me faire plein d'items faciles. Arrête de te protéger. Hop là. Et merci à celui qui m'a dit que la lame lumière ne pouvait être faite qu'à l'horizontale. Parce que ça aussi, ça m'a bien aidé. Enfin, ça va bien m'aider parce que... j'aurais souvent failli ma lame lumière en faisant des trucs comme ça. Et maintenant je sais pourquoi. Alors, qu'est-ce que c'est? La légende d'Orochi. De précieuses informations écrites par eux. J'ai bien envie de lire la légende d'Orochi. Et lire, ça sera dans quoi? Alors, pas dans technique, peut-être dans guide. Le village de Kamiki est situé entre les plaines de Shinshu. Ce village fut longtemps infligé d'une triste malédiction. Chaque année, à la veille de la fête du village, le dragon à 8 têtes, Orochi, paraissait dans le ciel. Il fut bien, ça rappelle la pleine lune de cette 15e million. Non, Shizanagi, lui, que ça va vous ne mette pas un 7. 99 filles ont perdu la vie. Ce souvenir restera jamais gravé dans nos mémoires.
En gros, c'est la cutscene de début qui viennent de nous raconter. Ouais, il faut que je pense à creuser des trucs. Quand je vois une lumière jaillir, ouais, donc c'est ça. La fois dernière, je me demandais ce que c'était que cette lumière, et du coup, il faut que je creuse. Ça paraît logique. Ça paraît logique. Les lueurs vertes, c'est ça. Un trèfle à quatre feuilles apparaît, et j'utilise le pinceau pour le revigorer. Et j'obtiendrai des sphères de bonheur. Ouh. Faut que j'arrête de les oublier. Alors, je dors comme une pierre, revenez plus tard. Bon, il va falloir revenir ce soir. Ama, je crois qu'on a fait le tour des plaines de Shinshu. Il est temps de retourner voir Sakuya au village de Kamiki. Merci de me donner une directive, Ishun. Merci beaucoup. D'abord, je vais faire un petit tour, c'est pas trop loin. C'est quand même un petit peu loin, la vallée de Iniko. Je crois qu'elle s'appelle comme ça. Je suis à peu près sûr de sacrifier tous les noms des lieux que je visite, mais désolé. Bon, je vais l'appeler la vallée, la plaine et le village. Ça sera déjà ça. Je vais aller faire un tour là-bas et je vais aller creuser la lumière qu'il y avait. Pour voir si on me dit pas n'importe quoi. Petit combat d'abord ? Allez, petit combat. Hop, je vais pas leur laisser le temps de se protéger à la guitare. Hein. Très bien. Oups, faut que j'arrête de confondre le bouton pour sauter et celui pour frapper. Dit-il avant de se retromper une fois. Hop, encore un petit croc du démon. Et voilà. Ça me fait des sous au moins. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Pas énormément de sous. Ça m'en faisait plus avant. Bon, peu importe. Ok. Et je suis pas sûr d'avoir totalement purifié la vallée, parce que... Dans mon souvenir, j'étais quasiment sûr qu'il restait un arbre maléfique à tuer, et je l'ai pas trouvé la fois dernière, donc... c'est bizarre. C'est très très bizarre. Bon. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Oui, je creuse. Comment on creuse? Comme ça. Un trèfle à quatre feuilles que je peux restituer grâce au pouvoir de ma magie. Pour 5 points de bonheur, bon. C'est pas beaucoup, mais comparé au temps que ça me prend, ça va. Et du coup, je vais aller revisiter un petit peu cet endroit. Ouh, je suis même pas tombé dans l'eau. Hop. Encore un peu de bonheur pour mon cœur. Je fais des nénuphars quand je nage. J'avais pas vu. Apparemment, c'est trop haut pour moi. Voilà. Salut les lapins. Et il va bientôt faire nuit, du coup, je vais pouvoir retourner voir le gars qui dormait comme une pierre. Perfecto, je vous dis. Tout se goupille très bien dans ce let's play. On dirait que j'ai déjà fini le jeu 3 fois. Et je vois déjà les gens qui ont effectivement fini le jeu 3 fois faire un facepalm en repensant à toutes les erreurs que j'ai faites. Bah, pour l'instant, je suis pas trop mauvais ici. Ça va, je pense. Je crois qu'il y avait plus rien là-bas. Non, c'est pas la peine de... C'est pas la peine d'aller double check. Je leur avais déjà donné à manger. Oula, je commence à aller beaucoup trop vite. D'accord, bon. La nuit devrait tomber, en plus si je peux trouver un mec à tuer, c'est pas mal. Voilà, c'est la nuit. Hey, une petite lumière. Kezako, perle errante. Trouver toutes les perles errantes éparpillées à travers le pays. Encore une quête. Tellement de quêtes dans ce jeu. C'est pas pour me déplaire, mais je pense que je les compléterai pas toutes. J'ai pas l'âme du joueur qui fait tous les jeux auxquels il joue à 100%. Je suis plutôt le genre de joueur à... Bon, je rush pas le jeu comme un connard, mais... Je fais les quêtes qui sont sur ma route et celles qui peuvent être intéressantes qui sont pas sur ma route, mais
De là à faire les 36 000 sculptures là et récupérer tous les insectes dorés. Non merci, ça va. Alors, comment est-ce que je reconnais les gens que je dois tuer? Des gens que je dois pas tuer. Ouais, je vais aller... Je vais combattre celui-là. Sup! Hop, on va dézoomer un petit peu. Eh, hey, un poisson papillon. Hop. Hey, il est en train de me tirer des trucs dessus, j'avais pas fait attention. Hop, lui il est bientôt mort. Voilà. Tu me files ton croc. Merci l'ami. Ah, il est en train de balancer des bidules. Oups. Re-oups. Voilà. Non, 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 le poisson papillon. Bon, je vais éviter qu'il s'accroche à ma tête maintenant. Il veut faire du jujitsu. C'est tout? Whatcha gonna do, boy? Et si je te fais ça? Ok, il meurt. Bon, les poissons papillons sont pas très forts. Faudrait que je leur trouve un nom plus rapide que ça. Eh, hey, il veut faire la course avec moi, lui. Vas-y, il court plus vite que moi, c'est injuste. Deux poissons papillons. Je vais leur faire un petit power slash pour les faire redescendre sur terre parce que... Sinon ils vont me balancer tous leurs bidules et ça va pas être cool. C'est bien, en attendant ils se contentent de me taunt et du coup j'ai tout le temps de m'occuper de l'autre. Non, 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 non. Pourquoi tu veux me choper, toi? Ah. Je peux peut-être les découper avant qu'ils m'explosent dessus. Ouais. D'accord. Bon, ils sont pas si méchants. Ah non, lui, je croyais qu'il avait quelque chose de spécial, mais c'était en regardant vite fait comme ça, et en fait, pas du tout. Hé, hey, il y a un truc qui brille à côté de la maison, je l'ai vu. Alors, qui es-tu? Oups, désolé. Oh non, la poudre a encore pris feu. Quoi, quoi, quoi? Non, ça va pas exploser. Non, non, ça ne va pas, ça ne devrait pas se passer comme ça. Non, 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 et non, j'ai pourtant vérifié cette formule 100 fois. Non, 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 non. Dis donc. Hein? Un insecte qui parle? Oh, de qui tu parles là? Je suis Ishun, l'artiste errant. Ah oui? Quoi qu'il en soit, tu es bien ardent, Ishun. Je m'appelle Tamaya. Tamaya, l'artificier, c'est moi. J'ai jamais entendu parler, désolé. Mais en même temps, ça se voit un peu que t'es artificier. Écoutez-moi, vous deux. Je suis sur le point d'allumer un feu d'artifice absolument géant. Jetez un œil à la formule que j'ai postée contre le mur. Ma carrière entière d'artificier aboutit ici avec cette formule. Je la réserve pour un feu d'artifice que j'ai appelé étoile de minuit. Il y a pourtant un petit problème. La formule est correcte, pourtant elle ne marche pas. J'ai une idée. Écoutez-moi, les enfants. Vous avez de bons yeux. Des yeux ardents, étincelants. Avec vos yeux de braise, vous pourrez allumer ce feu d'artifice. Admirez le plus beau feu d'artifice que le monde ait jamais vu. Ouvrez bien vos mirettes, c'est parti. Voici l'étoile de minuit. The fuck, je veux pas rester là. Je suis censé faire des fleurs dessus ?
Non, je crois que j'ai pas le pouvoir qu'il te faut. Ok, monsieur. Ah, où est le problème? Je vais finir par tout faire péter si j'y arrive pas. Ouais, je pense qu'on va avoir un pouvoir qui nous permet de faire des bombes, ou alors on pourra acheter des bombes parce qu'il y a déjà des failles dans le mur. Il y a un truc sous ce... Je peux pas creuser? Ah. ouais, parce qu'il y a des failles dans les murs, l'alga nous demande de faire exploser ses feux d'artifice. Je pense qu'un des prochains pouvoirs qu'on aura, ce sera tout faire péter. En même temps, c'est assez bizarre parce que ça se prête pas trop au thème de la nature. Mais bon. Peut-être que ce sera ça. Bon, ils sont où les boys que je dois tuer? Je sais pas si je peux les rencontrer dans des combats aléatoires ou s'il y a quelque chose qui m'indique que qu'ils sont là. Je ne sais pas du tout. Bon, on va retourner au village. J'ai l'impression que j'appelle le village et la vallée du même nom depuis le début de ce let's play. Iniko, Imiko. Je sais pas qui s'appelle comment. Non, ça doit être le village de Imiko. Hey, ils ont remis le jour pour moi, ils sont bien sympas. Qu'est-ce que c'est que ce bouffon? Il y a de l'agitation dans tout le village. Je me demande ce qui se passe. Tu m'as interrompu pour me dire ça? Alors, first of all, je vais réparer mes erreurs passées. Voilà, c'était logique. Merci à ceux qui me l'ont dit. Une nouvelle perche? Par quel prodige elle est apparue par enchantement? Les camis ont dû répondre à mes prières. Il est temps de finir mon linge. Et du coup, je peux avoir un peu de points de bonheur ou... Je suis heureuse de pouvoir étendre mon linge, mais le soleil semble si loin ces derniers jours. Peut-être que le soleil se cache de tous ces monstres. Si seulement il pouvait briller plus près. Et je sais, je suis nul pour dessiner le soleil. Mon Dieu! Le soleil est soudainement apparu. Mon linge va pouvoir sécher tout de suite. Les miracles ne cesseront-ils jamais? Ce soir, je ferai des sakura mochi, des gâteaux aux fleurs de cerisier. Boule de neige, viens donc à la maison. Personne ne fait les moki comme moi, tu vas te régaler. Yeah, je veux. Si les gens se mettent à me filer à manger, je veux bien être le dieu de tout le monde. Je ferai assez de sakura mochi, bien, ouais, je viendrai. Tu parles que je viendrai, si c'est pour de la bouffe. Son chien, il fallait que je lui donne à bouffer, mais je sais plus... Ouais, bon. Je vais faire cette quête. Par contre, il faudrait que je dézoome. Alors, on m'a dit qu'il fallait que je la... Il fallait que je la peinture lure et ça irait mieux. Vite! Le retour de la quête des... des poireaux. Ou des salsifis, ou des navets, je sais plus ce que c'est. En tout cas, c'est pas des poireaux. C'est cool le pouvoir de la floraison, ça aide pas mal. Par contre, je suis en train de dépenser mon énergie du pinceau à vitesse grand V. Oups. Faut pas que je me fasse choper, il en reste plus beaucoup. Allez, 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 allez. La nana s'occupe plus des poireaux que des arbres qui sont en train de pousser devant elle en 2 secondes. Allez. Oui, il y en a plus beaucoup. Allez.
C'est qui le champion? C'est qui le champion? C'est moi le champion. Par contre, tu vas me laisser prendre mon navet magique, s'il te plaît. Je sais plus comment on le prend. Oups, c'est pas ça que je voulais faire, désolé madame. Voilà. Vous avez donné le radis étrange. Eh, hey, mais c'est le radis étrange que recherchait Hayabusa? Ça veut dire que tu as battu le record de Hayabusa en déterrant les 10 radis? Ah, zut! Très bien, tu as gagné, c'est toi le meilleur. Maintenant, ça nous donne un nouvel objectif à atteindre. C'est bien, gamin. Bel esprit de compétition. Je t'ai défoncé, sale chien. Tiens. Il veut vraiment me bouffer maintenant? Qu'est-ce que tu vas me faire? Bon bref. Faut qu'on aille voir Sakuya. Oups. Sakuya qui est par là-bas. Et elle va être toute contente. Comme j'ai un peu restauré ses armes. Là, là, là. Toi je te parle pas. Ah bah il est pas là. Ça tombe bien. Sakuya il parle. Ça tombe bien qu'il soit pas là, sinon il aurait fait spawn des yokai pour m'enseigner à me battre, peut-être. Je sais pas. Je sais pas vraiment pourquoi il fait ça. Ses motivations sont très sombres. En même temps, il est aveugle, donc... Sakuya, ma petite fleur. Tu as retrouvé des couleurs grâce à nous. Pourquoi elle dit rien? À bien y penser, ça fait un moment qu'on ne l'a pas vue. Elle nous a pas quittés pour aller là-haut, quand même. Allez, Sakuya, montre-nous comme tu es jolie. Je sais, allons demander à Papy Mandarine. Faut pas que je passe dans le portique pour parler aux gens. Qu'est-ce qu'ils voulaient ces deux-là? Grande sœur, cet arbre a fleuri tout d'un coup. Je sais, je l'ai vu aussi. Oui. C'est le pouvoir des Kami, vous pouvez pas tester. Alors, Papy Mandarine, qui doit être tout en haut, je pense. S'il est toujours au même endroit. S'il n'y a pas des mécanismes à la Majora's Mask où tous les PNJ bougent sans arrêt. A priori, non. Où est le papy mandarine? Crap, je suis tout mouillé. Je vais sentir le chien mouillé maintenant. Il est ici même. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Sakuya? Sont les limites de l'étrange. Ouf! Grâce à la protection des Kami, je peux continuer à danser. Sinon... Non, ça c'était très drôle, mais ça ira. Eh bien, petit loup blanc, as-tu vu Konohana retrouver toute sa splendeur? Elle était fragile et sans défense. Mais comme tu le vois, elle est miraculeusement revenue à la vie. Konohana a dû être sensible à ma danse. Toutefois, elle ne me parle toujours pas. Son esprit nous aurait-il quitté pour l'autre monde? Non, ce n'est pas possible. Dans ce cas, ma danse secrète Konohana saura la faire revenir. Une danse secrète? Qu'est-ce que c'est encore que ça? Si seulement je pouvais épuiser le pouvoir de la Terre. Pouvoir de la Terre, pouvoir de la Terre, pouvoir de la Terre. Qu'est-ce qu'il faut faire fleurir? L'arbre lui-même? Je vais lui reparler. Non, je veux pas la voir ta danse. Vous êtes venu voir ma danse Konohana, n'est-ce pas? Hélas, ma danse reste sans effet pour l'instant. Je dois d'abord puiser le pouvoir de la Terre dans l'esprit. Des armes, si seulement je pouvais faire respirer, si je devais faire cette chanson secrète, je ne pourrais plus. Oh, regardez-moi, je deviens de plus en plus pessimiste avec l'âge. De toute façon, je dois attendre que tous les arbres refleurissent avant d'exécuter la danse Konohana. D'accord, on n'a pas fait refleurir assez d'arbres pour qu'elle vienne nous parler. Et donc, il va falloir qu'on aille faire fleurir plus d'arbres? C'est ce que je comptais faire de toute façon, mais... maintenant, je suis sûr que c'est ce que le jeu attend de nous, donc... Allons-y! Pourquoi elle chouine, elle? Qu'est-ce qui se passe? Ah non, elle chouine pas dès que je suis là. Papy Mandarine aimait danser sur cette musique. Quel doux souvenir, il dansait tous les jours ainsi. Cela me fait tant de plaisir de voir Konohana de nouveau vigoureuse. Ah, quête!
La danse de Papy Mandarine me rappelle mon enfance. Il pouvait faire refleurir un vieil arbre juste en dansant. Mais cela fait bien longtemps qu'il a arrêté de danser. Il dit que le pouvoir des Camis se sont affaiblis. Vous le trouverez sur le site sacré au sommet de la colline. La danse de Papy Mandarine. Bah oui, je suis déjà allé le voir. Elle est contente. Il y avait quelqu'un d'autre qui chouinait, je crois. Bon, apparemment non. Est-ce que je dois aller retourner voir Papy Mandarine? T'es qui, toi? Ah, c'est lui. Quelle joie de voir la Terre revenir à la vie. Il en reste encore 15. Une fois que tous les arbres seront fleuris, le miracle se réalisera. Il est joli, cet hôtel. Et comme j'ai trouvé un point de sauvegarde, eh ben on va arrêter cette partie ici. Ou plutôt, pas cette partie, mais cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. J'ai corrigé quelques trucs que j'avais raté ou oublié les fois d'avant. Donc voilà, merci encore pour vos commentaires. Et souvenez-vous qu'une fois que je les lis, il y a bien encore quelqu'un qui chouine. Souvenez-vous qu'une fois que je les lis, bah, je les applique parce que je pense que vous donnez des bons conseils. Je n'arrive pas à y croire. Konohana, notre arbre sacré est recouvert de fleurs. J'espère que cela va être une bonne saison pour mes radis. Sauf s'il y a un chien qui vient lui bouffer. Mais qui est-ce qui chouine alors? C'est lui? Salut champion. Je peux peut-être lui donner quelque chose. Des graines. Tu veux manger des graines, le chien? Il est pas intéressé, forcément. Je le donnerai aux oiseaux la prochaine fois. Bon, voilà, cet épisode est terminé pour de bon. Donc, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, et je vais nourrir les lapins. N'hésitez pas à laisser un like. Quoi, les lapins, ça mange pas de graines? Bon, je donnerai aux oiseaux. Like, commentaire, et j'espère que vous êtes toujours aussi hype pour cette série. C'est cool, c'est sympa. Cet épisode était moins riche d'action que le précédent, mais je peux peut-être faire fleurir ça. C'est quoi? Pastèque. Sa chair rose est désaltérante, remplit l'estomac. Ouais, bon. Vous voyez que j'adore un let's play dès que j'arrive pas à conclure un épisode. Bon allez, salut tout le monde, bonne journée.